Go Big Fish, venge-moi. Ok. Alors, on va pouvoir s'entendre quand on va mettre les écouteurs. Et on va pouvoir entendre ma mastication de bisous sur ce genre de mesure. Oui. Puis on va choisir de le faire. Tu préfères du country avec moi qui mange que... C'est important pour ta santé. T'as des beaux os. On m'entend manger, tu veux ça. Je vais tenter le micro. On n'a pas tant que ça. Mais non, faut que tu manges. Faut que tu manges. Les gens aiment ça, les gens aiment ça. Subscribe plus quand tu manges. Oh my god! Oh my god, oh my god. Il utilise comme si c'était un wrestling insane. Il est crazy. Tantôt, il en a fait aussi contre Stéo. Il joue bon lors du Big Fish. C'est une bonne victoire. Je suis en train de me venger en ce moment. Ah, c'est Kava qui t'a éliminé, toi? Ouais, techniquement, démonté 3-0. Oh, tough one. Non, mais c'était le fun, c'était beau à voir. C'est un gamer. On va mettre les bons tags. Tu veux tout ça? Puis on va mettre aussi la bonne. Tu vois, on coche la case pour inverser les bonhommes. Là, on peut écrire le nom. Mais là, Big Fish va peut-être gagner ça puis finir ça assez vite. Là. C'est comme 2-0 pour Big Fish. Je sais même pas si c'est 2-0 ou 1-0. C'est 2-0. Mon recherchiste m'a confirmé que c'était 2-0. Attends, en pitch, je suis en train de donner des informations de qualité. Là. C'est quoi les Punk Cross Tables? Ouais, là, faut que tu donnes des stats là-dessus. Là. Ça consiste en quoi? Ça coûte combien? Moi, j'ai l'impression que c'est un truc congelé. Des sortes de pizzas surgelées? Ouais, que tu peux pas croûter. Parce qu'on peut pas croûter les pizzas, on mange pas la croûte. Ouais, ça fait quoi? C'est la croûte, mais c'est bon. Avec du bon beurre. C'est sûrement la meilleure partie. Ben oui. Évidemment, avec du beurre, c'est bon, ça crame. C'est quelque chose qui est pas bon, du beurre? Probablement de l'eau. Ok. Mets une botte de beurre dans l'eau et essaie de la boire. Ben récemment, j'ai essayé. On s'entend que la plupart des jus, c'est des solutions aqueuses, c'est de l'eau et ce que tu bois, c'est ça. Oui. Ben moi j'ai essayé de café avec du beurre, c'est incroyable. Je pense que
C'est juste un cheat code. Mais c'est pas un cheat code, tu rajoutes des petites impuretés dans ton eau, puis d'un coup c'est pas du beurre. Moi je pense que c'est juste un glitch qui a 100% H2O, c'est pas du beurre, mais genre, en général ça. La santé, Fraise, en 2023 c'est fini, ça existe plus, la santé là. Des trucs surgelés, des petits pockets avec de la gelée, puis du beurre de peanut. Ah, c'est leur genre de peanut butter jelly préparé d'avance. Faut donc être paresseux pour. Tu sais, quelque chose qui coûte pas cher, c'est une beurrée de barre de peanuts avec de la confiture. Oh my god, voilà! Oh, c'était clutch, on a six comme chaîne! J'ai quelques chaînes! Ok, ok, ok. C'est... Hey, il a tout risqué pour cette chaîne-là. Il aurait pu se faire hit, frapper le mur. Les hitbox et les earthbox, c'était close. Yes, sir. Puis en plus de ça, on rappelle qu'importe, là, il y a des stats écrasantes contre Big Fish. Big Fish, il gagnait ça. Aujourd'hui, ce serait genre une de ses meilleures journées depuis vraiment longtemps. Il aurait battu. Et c'est haut et qu'importe. Ben, il est quand même bien parti. Ouais, c'est ça. Hein? À moins que qu'importe remplace ça. Là, c'est 2-1 pour Big Fish. Donc, une bonne Big Fish Day, là, ça se passe. Là. Mais c'est de ma faute, ça y a tout pris pour me tuer haut, qu'importe. Là, tu l'as mis au fond du panier, ouais, il n'y a plus d'énergie. Regarde. Le pire, il est fait en termes de. On a décidé qu'il était où. On attend la fin du montage photo, puis alors, le beau dessin qu'il mettait de faire. J'ai vu une préface, ça a l'air vraiment pas si mal. Hype race, pas si mal. Non, mais tu sais pas quand c'est des gens de la communauté qui le font, puis c'est pas des gens qui sont des designers, ça saute. Mais quand je dis que c'est pas si mal, ça veut dire que ça look fine. Mais j'ai pas vu assez de. Ben tu sais, ça a l'air d'être un tour de vrai dessin, là. Ça a l'air de vrai art. Ben. Je sais pas comment le dire. Regarde, ça va être fine. C'est pas encore sorti. Ça va prendre un moment. Si tu veux les stats, bitch, tu as accès à tes stats. J'ai mis le Excel sur le Discord de Mêlée Québec. Tu peux aller voir tes stats là. Tu vas pouvoir voir si on est d'accord avec. Si. Quand on va sortir le résultat, on est d'accord avec notre conclusion ou pas. Puis c'est ça. Entre autres, on va. On n'a pas les monthly sur le Excel. Parce que moi, le chef que j'ai écrit, il est juste le challenge. Je suis trop paresseux pour lui, quand il était à 2 AP. C'est ça. Surtout pour 2 seuls tournois. Fait que, ça t'a pris combien de temps à écrire ça, le c'est pas tant que ça. Ça a pris quand même quelques heures. Là. J'ai quelques centaines de lignes. Je calcule la tendance. Je calcule. Puis tu sais, ça a pris plus de temps parce que j'avais jamais programmé en node.js. Puis comme j'apprenais ça en même temps. Ça fait un 300 lignes là, de code assez. De traverser des lignes de JSON sans fin. Calculer des head-to-head, calculer des. Parce que c'est dans le challenge, tu peux sortir les head-to-head directement. Là, faut que tu. Fait que dans le fond, moi, là, je compare les noms dans des boucles infinies et récursives. Mais là, il y a un glitch, il n'y a pas les monthly, c'est ça? Non, pas dans l'Excel, mais nous, on les a pris en compte pour les stats. Ah, ok. Bien. On a checké les matchs importants entre les joueurs qui étaient serrés. Puis on a. Oh, il n'a pas d'Anding Gold, ça avait sûrement fonctionné, c'est vrai. Mais c'est quand même vraiment tête quand on parle de code de spaghetti. On l'a aussi pris en compte pour la tendency, les monthly, parce que par exemple, vous n'aurez pas eu suffisamment de tendency si on n'avait pas compté les monthly. Les 20? Mon dieu. J'arrive pas à croire qu'il n'y a pas de shot. C'est triste, je sais. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Pichon? Oh, Big Fish, je vais pogner sur ce truc-là, ça c'est huge. Ouais, c'est énorme. Ça a vraiment bien commencé ce game-là pour qu'il n'y ait pas. Je te souviens, c'est là. Mais début, c'est même peut-être du switch, sauf que. Fuji a pas de conseil. Ben, tu sais, ça c'est ce qui gosse contre Fox, c'est que t'as pas de bon counter pick là. Ça, tu peux pas faire, ok, c'est mon counter pick, now it's my time to play. Ouais, absolument. T'as pas ça, faut juste que tu sois bon, genre. Ça, c'est pas facile. Ça dépend de la météo. On sait pas pour exactement le temps. Une semaine, ça se pourrait. Nice shorter! Mais ce soit aussi 2 semaines. Puis plus tard, il va y avoir une petite vidéo. Ça pour dire que ça a bien avancé. Puis que c'est réellement en cours. Je peux pas m'y jurer maintenant. Ça va être une fin, ça, je pense. Bravo à Big Fish. 3-1. Big Fish a mérité un set contre Melpix Maxime. Ah, il va avoir du plaisir. Deuxième meilleur joueur de la meilleure Smashers du Québec, c'est pas rien. De l'histoire. Non.